Dear friends of the planet, all protocol observed. As Emmanuel Macron said, we are not yet winning the war on climate change, and that is a defining challenge of our times. The Paris Agreement laid the basis for ambitious action, but we know that current commitments will not get us there. Every day, in every region, the front pages are dominated by weather-related disasters – storms, floods, droughts, fires. My recent visit to Barbuda and Dominica was truly heartbreaking and eye-opening. Climate change is moving much faster than we are. Atmospheric levels of carbon dioxide are higher than they have been for 800,000 years. Alarmingly, this year saw the first increase in CO2 emissions in the last 3 years. And the past five have been the hottest period on record. We are in a war for the very existence of life on our planet as we know it, but we have an important ally – science and technology. First, because what is happening is exactly as science has predicted. Second, technological progress has already exposed the falsehood that responding to climate change is a threat to the economy. The cost of renewable energy is plummeting. All around the world, cities, regions, states, and territories are taking climate action and setting their own ambitious targets. Thousands of private corporations, including major oil and gas companies, are taking their own action. Green business is good business, and we are seeing new industries, new markets, healthier environments, more jobs. And the message is simple. Those who fail to bet on a green economy will be living in a grey future. That means much greater ambition by governments, civil society, the private sector, and the world of finance. Finance could be, should be, and will be the decisive factor, the difference between winning and losing the war. Finance, in its very nature, is forward-looking. And we must make sure that it works not only for profit, but for the future of the people and the planet. Finance is not scarce. Today's global financial system is awash with funds. Tens of trillions of dollars are earning low or even negative interest rates. But the opportunities for productive and profitable low-carbon, climate-resilient investment are vast. Renewables are now cheaper than coal-powered energy in dozens of developed and developing countries, creating the basis for sustainable energy for all. And it's also a fact that fossil fuels remain heavily subsidized, meaning we are investing in our own doom. I have heard it said that the Stone Age did not end because we ran out of stones. We don't have to wait to run out of coal and oil to end the age of fossil fuels. We need to invest in the future, not the past. We need policymakers and central banks, stock exchanges, pension funds, rating agencies, and all financial actors to align investments with the needs of climate action and sustainable development. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, les fonds ne manquent pas, c'est la confiance qui fait défaut. Il nous faut y remédier. Cela signifie qu'il faut avant tout veiller à ce que les pays riches honorent leur engagement et apportent 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2020 à l'intention des pays en développement. Nous en avons tous la responsabilité. Cela signifie que le Fonds vert pour le climat doit devenir un instrument efficace et souple, notamment pour les pays les plus vulnérables, comme les petits États insulaires et les pays les moins avancés. Ces deux conditions sont indispensables pour que la confiance règne entre pays développés et pays en développement. Et les pays en développement ne sont pas responsables du problème auquel ils ont à faire face, et ce n'est donc que justice que les pays développés leur aident à mener ce combat. Mais les États n'y parviendront pas eux seuls. Les capitaux privés sont indispensables. Il nous faut créer la confiance et réduire les risques, utiliser au mieux les ressources disponibles et trouver des modes de financement novateurs comme les obligations vertes dont la viabilité et le succès sont déjà des réalités. Les institutions de financement du développement, y compris le groupe de la Banque mondiale, co-organisateur du sommet d'aujourd'hui, ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. En limitant les risques, elles peuvent encourager les investissements dans des projets qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques.
De leur côté, les gouvernements doivent contribuer à créer un environnement propice. Et les choses bougent déjà. Il existe actuellement plus de 1200 textes législatifs se rapportant au climat dans plus de 60 pays. La tarification du carbone concerne déjà les activités qui représentent 13% du PIB mondial, alors que nous cherchons à faire preuve d'une ambition plus grande encore dans le cadre de l'accord de Paris. J'invite instamment tous les gouvernements et toutes les parties prenantes à aller encore plus loin. Le train du climat n'attend pas. Embarquement immédiat, il n'y a pas de plan B. Je vous remercie.